Wow! Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 356e VOD Moe avec Virus sur iPod Dimension Neptune Rebirth 3 V-Generation. Et beaucoup de gens se disent, mais quand est-ce qu'ils terminent ces events, cette espèce d'abruti? Quand est-ce qu'ils terminent le jeu? Eh ben, pas maintenant. Rien que pour vous faire chier, j'ai décidé, avec le chat, on a décidé qu'on allait un petit peu faire de la découverte de donjons. Et notamment, nous avons un donjon ici qui s'appelle Powellville Island. Et j'ai envie de le découvrir en même temps que vous. Qu'en dites-vous? Ça m'a l'air propice. Alors, à voir aussi. Où se trouve Powellville Island? C'est où? Non, parce que c'est bien gentil, mais... pour le coup, ils disent pas où est-ce qu'il va atterrir, le donjon. Ah, et ben voilà, incroyable. Eh bien, découverte du nouveau donjon Powellville Island en votre compagnie, et c'est parti. Ah, c'est sympa, ça sent les vacances. Vous sentez ces embruns? Vous sentez ce soleil sur votre peau? Vous sentez ce JPEG en arrière-plan? Pardon. Oui, alors, voyons voir. À quel niveau sont les ennemis ici, déjà, pour commencer? Est-ce qu'on se fait casser le cul instant? Non, ça a pas l'air, mais ils ont l'air quand même assez balèzes. Possiblement, c'est sans doute un donjon un peu optionnel qui nous permettrait peut-être de gagner un peu plus de pépettes, notamment pour faire cette fameuse VOD Fashion Victimisation. Pas du tout. C'est de la merde. Bon, eh bien, au moins, on le saura. Faisons un peu le tour. Bon, ça, on reconnaît en vrai, hein. Sachez que c'était un donjon dans Rebirth 2, si je dis pas de la merde. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, cette map parce qu'elle est assez colorée. Bon, c'est relativement classique, hein, comme modèle. Mais voilà. Mais on sent un petit peu les vacances, là, d'un coup. Voyez, on est qu'au mois d'avril, et pourtant... Et pourtant, on se dit déjà, les vacances, c'est bientôt. Rien que le fait d'arriver par ici, voilà. Ça y est. On pense déjà à ces parties de badminton sur la plage. Ah, mais je reçois des plans assez cool en vrai. Dans le chat, on me dit, vous entendez cet étudiant qui distribue des glaces et du coca sous la chaleur caniculaire? Ah ben non, les monstres n'achètent pas de glace, enfin, je crois. Ouais, pas sûr, hein, en vrai. Bon, un petit life. Ah, un eject button qu'on n'utilise jamais parce qu'on est un vieux radin. Moi j'aime bien parce que voilà, le sol il est particulier, c'est pas juste du sol en mode de moisissure JPEG moisi des années 99. C'est un vrai sol. Non, faut reconnaître que la map est sympa. Ah, et l'eau bouge vraiment pour le coup en vrai. Voilà. Ah, et un ennemi particulier. On va le tenter. On va le tenter, mais... Ah, mais il y a un deuxième niveau. Ah, qui n'était pas disponible, du coup, dans... Rebirth 2, si je dis pas de la merde. Ou alors peut-être que je dis de la merde. Vous me corrigerez dans les commentaires. Ou dans le chat. Mais dans le chat, ils ont pris beaucoup trop l'habitude de me corriger. Beaucoup trop. Va falloir un petit peu... voilà. Resserrer la vis. Hein, hein? N'est-ce pas? Oui, donc également, sachez que... Alors, il y aura sans doute un petit blanc. Une petite pause. Oh, regardez, il y a une baleine là-bas. Ou c'est un geyser. Je ne sais pas. Peut-être c'est une baleine ou un geyser. Ça doit être sans doute un geyser, parce que sinon, dans ce cas-là, il bouge pas... Enfin, elle bouge pas beaucoup, la baleine. Donc oui, il y aura sans doute une petite pause, ou une grosse pause, entre Rebirth 3 et Mega Dimension sur la chaîne Viril Games, car oui, alors je vais pas dire que Viril Games ferme ses portes, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que je vais l'alimenter beaucoup moins, je vais beaucoup plus m'axer sur bien sûr les streams et également sur Viril TV qui n'a pas été alimenté maintenant depuis
au moins 6 mois, n'est-ce pas? Donc voilà, pétez pas un câble, si vous désirez retrouver mes let's play, bien sûr, venez sur Twitch, vous aurez la possibilité de me regarder jouer, bien entendu. Ah! Ah! Alors, il y a l'air d'y avoir pas mal de PV là en face. Il est peut-être temps de sortir les vrais. Voilà, les vrais combos, les vraies attaques, hein, parce que sinon on risque de se faire atomiser. Oui, oui, donc là, cet ennemi-là, il a l'air particulièrement délicat à défaire. Bon, rien qu'un petit Exedrive ne saurait corriger, j'en suis sûr. D'ailleurs, sans doute, voudriez-vous me voir exécuter un Exedrive? Eh bien, de ce pas, je vais accéder à votre requête, mais pas tout de suite, pas tout de suite, c'est pas le bon moment. Pas tout de suite, tout de suite. Tiens, prends ça déjà pour commencer. J'attends surtout Noir. Sinon, sinon c'est pas cool. Allez, après ça, c'est les Exedrive, c'est la folie, c'est tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous appréciez dans les Polymension Neptunia. Et c'est maintenant. What in force? Ah oui, à savoir également que oui, j'avais augmenté la limite de damage. Enfin, en tout cas, je peux passer la limite de damage qui était de 9999. Je crois. Donc du coup, je peux faire vachement de damage. Et voilà, et ça touche, et ça fait mal. Reste que c'est pas forcément hyper... C'est pas forcément le meilleur, hein. Bon, bien sûr, on aura l'occasion de regagner notre Exedrive ici. Et ça, c'est toujours cool. Mais c'est pas le but. Nous, on souhaite voir s'il n'y a pas d'autres trucs à... Oh! Ah! Alors, est-ce que c'est une arme pour Mina? Ou est-ce que ça présage éventuellement d'un autre événement particulier? Je vous laisse deviner. Oui, car c'est assigné, bien entendu, d'habitude à un autre enfin, à d'autres personnages. Ouais, ben voilà. En plus, on entend les mouettes en arrière-fond sonore. Je trouve ça plutôt cool. Ah, un event. Alors, on m'avait prévenu de ça. Et du coup, moi, je vous propose de pas le faire. Car nous y reviendrons un jour, peut-être. Ne vous en faites pas. En tout cas, c'est bien sympa.
J'apprécie Paul Van Island. Hein. Ça ressemble un petit peu à des îles artificielles. Vous savez, comme ils font en ce moment. C'est quel pays qui fait ça déjà? Un pays qui fait pas mal d'îles artificielles justement pour les touristes. Et ça me fait penser à ça en fait. Ça doit être parfait pour les vacances, hein, remarque. Bien que je n'ai pas les moyens d'y aller. Ah oui, parce que vous le savez, bien entendu, l'argent des abonnés, je le dépense dans des choses complètement inutiles, donc indispensables. Telles, je ne sais pas moi, des figurines. Des figurines de Power Rangers, tiens. Et oui, c'est vrai, j'ai des figurines de Power Rangers chez moi. Et bien voilà, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce que le donjon a à nous offrir. Bon, c'est honnête. En vrai, ça fait du bien, on change un petit peu. Ah mais oui, mais du coup, c'est pas les mêmes bâtiments. Ou si, peut-être que si. Je ne sais pas. J'ai pas suffisamment fait attention. Vous me direz dans les commentaires. Hein? Oh, toujours plus d'argent. Plus d'argent! Il nous faut plus d'or. Oui, bien sûr, vous reconnaîtrez les références à Warcraft 3. Eh bien, sortons. Donc oui, ne vous en faites pas, l'event de Power Level Island, on le retrouvera, mais pas maintenant. En tout cas, ce fut une découverte sympathique, et j'aime beaucoup Power Level Island. Merci en tout cas d'avoir découvert ce donjon en ma compagnie, hein, et suivi cette VOD. On se retrouvera donc très bientôt pour de nouvelles VOD Moi et Moi avec Virus sur Hyper Dimension Neptune Robot 3 V-Generation. Je vous fais des très gros bisous, le pouce rose qui fait plaisir, à la prochaine, et surtout hashtag Amour Viril.